The capital city of Yaoundé has in no doubt been transformed to that of garbages. The one-time city, which is counted among the worst capital in the Central Africa in particular, and Africa as a whole, has dilapidated recently as pungent odor that can force a baby out of a pregnant woman's stomach, embracing people in all the nooks and crannies. C'est vraiment très pathétique parce que dans un pays sérieux, ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir dans nos centres-villes. C'est vraiment décevant. Et on demande à nos autorités de bien prendre cette situation et revoir la structure qui s'occupe de cette désenclavement des ordures ménagers. The pathetic situation of the capital city is a clear reflection of how the authorities' inner minds are unclean and corrupt. In a serious country, where those in power consider the well-being of the people, the environment will be clean in order that the air the people take in will be less dangerous to their health. Ces poubelles, ça pullule déjà vraiment à Yaoundé, ça pue de partout. Et puis il y a de ça quelques années, le travail était bien fait par la société qui s'occupe de ces poubelles-là, mais maintenant là, ça ne va plus passer. Dans le coin de rue de Yaoundé, on voit les poubelles qui débordent et puis ça ne va vraiment pas, ça ne va pas. The inability or lack of political will on the part of the government officials to keep the environment clean has pushed the population to develop an I don't care behavior.